Coucou mes loulous. Bon, ça y est, c'est fait. Je suis apte à adopter. Le médecin l'a confirmé. Et voici la lettre qui part. Oui, ça y est, ça part. Je suis trop contente, ça part aujourd'hui. Donc du coup, mon dossier est officiellement lancé. C'est fermé, comme vous avez pu le voir, c'est fermé avec du scotch. Donc je suis trop contente. Oh, j'ai hâte. Par contre, j'ai pas dormi. J'ai vraiment pas dormi cette nuit. Et chez moi, il a neigé. Et quand je vois la tête du temps, ça donne pas du tout envie. Il va encore neiger parce que j'ai les pieds qui sont gelés. J'ai mal aux pieds en plus avec mon accident qu'il y a eu il y a quelque temps. Du coup, maintenant, dès qu'il fait froid, j'ai un radar au froid, quoi. Pardon. J'ai fait tomber le petit plouc-plouc de l'enveloppe. Donc du coup, ça y est, c'est officiel. Je vais lancer le dossier d'adoption. Alors, il faut juste que je l'envoie. Mais j'ai été voir chez le médecin. Le médecin, il m'a fait une auscultation rapide. Genre, il a pris la tension. Donc j'avais une tension normale. Il a écouté mon cœur, mes poumons. J'étais bien. Il m'a demandé si mes jambes gonflaient. J'ai dit, bon non. Il gonfle pas. La seule chose qui gonfle, c'est mon pied de temps en temps avec le froid, mais sinon, ça gonfle pas quoi. Il m'a dit, bah c'est très bien. Vous êtes apte. Ok. Ça fera 37,50 euros. J'ai la CMU, je peux vous garantir que bah, je l'ai un peu senti celle-là, hein, parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'on peut avoir de l'argent. Oh, pardon. Mais bon, c'est comme ça. Hein. De toute façon, c'est pas la première, ce sera pas la dernière à mon avis. Sachant qu'il y a des billets d'avion qui vont m'attendre. Voilà. Donc, du coup, mon dossier d'agrément est envoyé. J'ai hâte de savoir. J'en ai pour 9 mois. Donc, 9 mois, ça fait. On est quoi? On est avril, mai, juin? Décembre pour Noël. Ce sera pour Noël. Une bonne peut-être nouvelle pour Noël, mon petit cadeau de Noël. On verra bien. On verra bien. Bon. De toute façon, je vais vous laisser. Il faut que j'aille dormir. J'en peux plus. Et puis. Oh, mais j'ai pas la Covid. Tiens. Vous l'avez pas dit. Je ne me l'avais pas dit, mais la personne chez qui je suis allée travailler l'autre jour m'appelle en urgence, me dit, écoute, mon petit-fils est venu, il vient de me prévenir, il a la Covid et tout, tu as fait le ménage, donc il faut absolument que tu fasses le test. J'ai pas la Covid! Bah non, j'ai pas de fièvre, j'ai pas de toux, j'ai pas de nez bouché, pas de nez pris, je vais bien, ma tension est bonne. M'a dit, non. À part le fait que j'ai des cernes, il me dit non. Ça va. Donc, du coup, je suis hippie-pipoura. Et je me tâte à manger. J'ai faim, mais je ne sais pas quoi manger. J'ai plein de trucs dans le frigo. J'ai plein de légumes. J'ai plein de fruits. J'ai plein de nourriture. Mais aujourd'hui, j'ai envie de rien. Enfin, je vais manger un morceau de fromage et puis ça va être rapide. Un morceau de fromage avec du pain et hop, on va laisser peser. J'ai surtout envie de dormir. Oh. Que j'ai pas renversé le bol d'eau du chat. Non. Ah, ça, c'est ma spécialité. Renverser le bol d'eau du chat. Donc, du coup, voilà, ça c'est fait. J'ai plus qu'à envoyer la courrier. Donc là, je vais aller dormir 2-3 minutes. 2-3 minutes. 1 ou 2 heures. Et puis, cet après-midi. Envoyage de courrier. Oh, il était joli le envoyage de courrier. Et puis, il ne me restera plus qu'à faire un autre petit courrier. Celui-là. Il est aussi important que le courrier principal. Et après, je serai débarrassée. Mais le prochain courrier, je vous l'expliquerai un peu plus tard pour l'instant. Il
je peux pas vous l'expliquer maintenant parce que c'est pas encore sûr, mais dès que je peux, je vous l'explique. Voilà. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous retrouve bientôt et vous aurez de mes nouvelles pour une vidéo spéciale. Vous allez comprendre. Je vous expliquerai tout. Bon, je vais vous l'expliquer maintenant, comme ça vous serez encore mieux. J'ai participé avec ma pote que vous avez vue sur internet sur un jeu, de chasse au trésor. Et d'après ce que j'ai vu, d'après ce que je pense être la bonne ou pas réponse, on n'est pas loin de trouver le trésor. Mais quand je vous dis pas loin, c'est juste que, en fait, il y a le confinement qui nous bloque. Sinon, on serait déjà parti. C'est pour ça. Donc, sachez quand même que la chasse au trésor sur laquelle on est, elle dure depuis un bon gros moment. Donc du coup, avec ma pote, on est à cheval dessus. On attend que le confinement se finisse pour pouvoir aller déterrer la boîte. Voilà. Donc, de toute façon, vous aurez les vidéos parce que j'ai filmé toute notre aventure depuis l'été dernier. Parce que ça date déjà depuis l'été dernier. Donc, de l'été dernier jusqu'à maintenant. Vous allez voir, je ne vais pas vous rater. Vous aurez plein de vidéos. Et on verra comment ça va se passer. Voilà, je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Pour ceux qui travaillent, bah, bon courage. Hein. Moi, c'est vendredi que je travaille. Donc, vous voyez, chacun son tour. Et puis sinon, à plus tard. Bisous!